du soleil. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais vous partager la suite de la petite méditation que je vous avais fait vendredi dernier. Et c'était sur l'Apocalypse 4, les trois premiers versets. Je vais vous relire ces versets. Il était dit « Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. » Donc vendredi dernier, on a parlé des deux pierres précieuses qui étincelaient. On voyait Dieu, la gloire de Dieu à travers cette lumière éclatante. Et mon regard, par la suite, il s'est porté sur ce fameux trône. C'est ce gros trône qu'on peut voir dans différents passages dans la Bible où Dieu est assis. Et le trône est mis en valeur dans ce chapitre et par un arc-en-ciel qui l'environne tel un émeraude. Et semblable à de l'émeraude, pardon. Et dans une autre version, il est dit aussi qu'un arc-en-ciel, dans une autre version de la Bible, il est dit qu'un arc-en-ciel entourait le trône brillant comme l'émeraude. Dans le livre d'Ézéchiel, il est dit qu'il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Daniel a une vision d'un trône étant comme des flammes de feu. Et au final, que ce soit vert comme l'émeraude, bleu comme le saphir, l'essentiel n'est pas la couleur, mais je dirais plutôt la qualité. Ce sont des pierres précieuses, une qualité bien supérieure à n'importe quel trône. Dans tous les cas, quand on veut prendre une bague ou un collier, on prend du saphir ou de l'émeraude ou du diamant. Et le plus important, c'est la qualité. Et le fait de le représenter par des pierres précieuses, ça montre combien c'est la supériorité, la souveraineté de Dieu. Avant d'avoir vu les 24 vieillards et les 24 trônes, Jean a eu les yeux fixés sur ce trône-là, ce trône qui était semblable à de l'émeraude. Et je pense qu'on voyait que ça, la lumière éclatante de Dieu et le trône. Et quand je lis ce passage, souvent on essaye d'imaginer ce que Jean a pu voir et ça m'a apporté plusieurs émotions, plusieurs impressions. Et tout d'abord, j'avais envie de me mettre à adorer celui qui est le roi de gloire. Et par la suite, peut-être un peu d'incompréhension à l'idée que un Dieu comme lui ait pu poser les yeux d'amour à des personnes comme nous. Parce que le trône, il représente bien la royauté de Dieu, la souveraineté, la supériorité de Dieu. Et imaginer qu'un Dieu aussi grand, aussi merveilleux, ait pu poser des yeux d'amour sur nous, au début, j'avais plutôt cette incompréhension. Pourquoi Dieu, tu me regardes à moi qui suis si petite? Mais cette incompréhension, elle se remplace aussitôt par de l'amour et de la reconnaissance. Car Jésus-Christ, il nous a rachetés par sa mort à la croix. Et être des enfants d'un Dieu souverain m'apporte plutôt de la paix et de la sécurité. Il nous a donné la vie éternelle et on va avoir l'éternité pour le louer et l'adorer. Et même quand on sera au ciel, on verra ce magnifique trône et la gloire étincelante de Dieu, notre Père. Et le chant que je voulais vous présenter ce matin,
c'est à l'agneau sur le trône. Et je voulais vous le partager et permettre à ce que vous chantiez aussi avec moi, qu'on puisse le louer, l'adorer, car il est notre roi, mais il est aussi notre père, et c'est vraiment magnifique.